Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Match entre La Rochelle et Gloucester pour la première demi-finale, je vais y arriver, du challenge européen. Une équipe très favorite, c'est La Rochelle clairement. Ça ferait une belle finale La Rochelle basse, vraiment ça ferait une finale presque qu'on aurait pu imaginer voir en Champions Cup l'an prochain, hein, pourquoi pas, hein, parce que c'est deux équipes vraiment très très fortes. Voilà. On verra si c'est ça en finale du challenge européen. En tout cas, on va faire La Rochelle Gloucester. On va jouer avec Gloucester. On voit qu'il y a quand même une note de quasiment 4 points de moins. Donc en avant. On regarde les configurations. Qu'est-ce qui ressemble au stade Marcel de Flandre, c'est ça le stade de La Rochelle. Je ne sais pas en fait. C'est un petit stade. Là ça fait un peu grand quand même. Là, ça faisait un peu petit. On va prendre ça, j'en sais rien. Non, je sais pas. Allez, on va prendre ça. 15 minutes par contre. Et voilà, c'est samedi après-midi. Samedi. Après-midi, je sais plus. Je sais que c'est samedi. Midi, je veux pas dire de bêtises. Allez, en avant. On est bon là. Et donc, on part avec Gloucester. Alors, moi, je vois vraiment une victoire de La Rochelle qui est juste l'équipe... peut-être la plus forte en championnat de France cette année, qui est vraiment impressionnant. A réussi une série de 23 victoires consécutives lors de la saison 1920-1921. C'est loin. Son niveau de forme c'est loin. Plus erratique récemment. Bah écoutez, on va voir. On va voir là ce qu'on va pouvoir faire face à ces Rochelais qui sont bons. Johnny May, regardez, 12 Trees, James Hook, voilà, Sharples, après je connais moins, Morgan, mais Morgan il joue plus à Gloucester, si. Oh là, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. On va éviter, on va se taire. On face à La Rochelle. Allez, on récupère ce premier ballon, c'est pas mal. Et on se blesse d'entrée, c'est parfait. Voilà, notre pilier qui se blesse d'entrée de jeu. Alors là, plus il y a un qui avait 72 de notes. Et on est obligé de le remplacer par un à 51. Ou à 54. Celui-là, mais bon, Thomas. Allez. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, c'est quand même pas le même à la fois et bien meilleur. Et on se retrouve direct au bout d'une minute de jeu avec un joueur moins fort. Déjà qu'on s'attend à un match vraiment compliqué face à La Rochelle. Là ça nous met mal. Un match à La Rochelle face à des Rochelais qui sont tout simplement énormes cette année. Oh là là, les crochettes, ils font les passes, ça y est. Là on va voir. Allez, on l'a gratté. James Hook qui. La possession du ballon reste indécise. Aïe. Cherche des options. Là attention. La croix aussi il est bon, on le sait. Il est passé, il tente la chandelle. Allez, faut être à la retombée là. Eh ben non, c'est les Rochelais qui rattrapent la balle et qui nous mettent sous pression. Déjà à 5 mètres de la ligne. Ce match va être compliqué les gars. Oulala. Il a refusé de lâcher. Heureusement. Arrêtez à 50 cm de. Oh là là. Allez, on va essayer de trouver une bonne touche là par contre. On va espérer que le vent nous aide. Allez. Allez petit vent. Pousse. Voilà. Ça va faire du bien. On a eu très chaud. Hein. Première action rochelaise. Et on a été mis sous pression. Donc ouais, moi je vois une victoire rochelaise. Et presque pour la beauté du sport. Et pour montrer que le challenge urbain, ça continue à être une grosse... c'est une belle et grosse compétition. Désolé pour les Parisiens, mais une finale La Rochelle basse, elle aurait pas grand chose à envier à la finale de la Champions Cup, honnêtement. La Rochelle basse, c'est le premier du championnat de France contre le troisième ou quatrième du championnat d'Angleterre. Quelque chose comme ça. Et basse, c'est l'équipe qui propose le plus beau jeu en Angleterre, clairement, et le plus beau jeu en Europe, sans doute. Pas forcément le plus efficace. Donc voilà, pour la beauté du sport et pour vendre un peu mieux le challenge européen.
une finale La Rochelle, La Rochelle basse, me ferait vraiment plaisir. Allez, mais on va quand même essayer avec Gloucester là de gagner ce match. Et donc on va essayer de jouer l'occupation avec James Hook. Patrouille la touche. Coup de pied bien dosé. Ouais, pour l'instant c'est du gain terrain. Hein. Oh mais il est pas en jeu sérieusement. Comment il... le mec c'est flash quoi. Comment il se retrouve là, ça ne tient pas là. Maintenant. Ça m'énerve ces erreurs d'arbitrage comme ça, là. Ça me saoule. C'est vraiment un des bugs. Je pense que c'est le pire bug qui n'ait pas été enlevé, je trouve, du jeu. C'est-à-dire que les hors-jeux après les coups de pied sont. Voilà, la croix il fait mal. On sait qu'il est bon. Hein. Ils ont des ailiers entre la croix et Morimori Valou qui peuvent nous faire très mal. Et là en plus on perd la balle sur une erreur d'arbitrage, donc ça me saoule un petit peu. On va essayer de se concentrer. Oh là 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 là, on est pris. Sharples. Bien qu'il a bien plaqué Holmes. Le rock est formé, il doit relâcher le ballon. Mais on sent qu'ils sont dangereux. Allez, là on peut la gratter. C'est bien ce que je pensais. Oh Johnny May. Oh Johnny May. Allez, allez, l'ailier du 15 dollars quand même. Donc il peut faire mal. Allez. Alors on la perd. On la perd de nouveau. On arrive à rien gagner dans les rucks. Il recherche du soutien. Allez. Oh, ils étaient pas loin de la garder au sol, je trouve. Là, les Rochelais. Pas sanctionné. Bon, on est bien là en défense, ça va mieux. Non, non, non. Boum. On l'a pas laissé. On l'a pas laissé taper. On a un avantage. Il faut peut-être essayer d'en profiter. Là, 12 Trees. Oh, 12 Trees qui a joué avec le 15 de la Rose. Alors, il joue moins ce matin, mais. C'est un bon centre, on a vraiment, je pense avec Johnny May et 12 Trees, Hook, pourquoi pas, voilà, on a des joueurs intéressants. Avec lesquels peut-être faire mal au Rochelet, mais bon, pour l'instant, c'est les Rochelais qui nous font plus mal. Allez, on va essayer, regardez, avec Atkinson. On fixe pour Johnny May. Ah, on est poussé en tout cas, on essaie de rebalancer. On a tenté de jouer sur cette vitesse de Johnny May, très très rapide. Malheureusement, ça a échoué. Allez, on va essayer de voler ce ballon en touche. Ouais, non. Le cap. Allez. Il revient vers l'intérieur. Oh, l'interception, t'es à 12 trees. On a décidé de ne pas faire de passe après avoir volé le ballon pour assurer le tout. On va tenter un truc, regardez. Qui passe James Hook. Allez, le ballon. Oh, ça a tapé le poteau. Ah, j'ai cru que le vent allait plus la rabattre que ça. C'est pour ça que je l'ai mise un peu. Ah là 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 là. Et on rate. Ils s'en sont bien sortis là pour le. Oh là 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 là. Et bravo Rochelet qui s'en sont très bien sortis. Ah non, c'est pas droit. Ah, c'est terrible là. Je fais des. Des erreurs. Et bon, ça c'est clairement ma faute. Hein, voilà. Il semble être un combat épique pour les deux. Faut être un peu plus concentré là. Donc, le coup de pied, j'avais prévu un vent un peu plus fort sur ce drop. Par contre, la touche, c'est vraiment un manque de concentration et qui peut coûter cher. Allez. Taper au pied, non. Il n'y a pas un avant. Hein. Il a explosé le ballon, mais il est parti sur le côté. Sinagel ramasse le ballon. Allez, Kinson, attention. Avec Sharples, on va pas se faire avoir. Il va envoyer sur la croix, on le savait. Boum, mais il arrive à redonner. Ça, c'était pas mal fait. Par contre, Wood qui vient gratter la balle et puis qui essaie de faire du pick and go, d'avancer un peu. Mais on a du mal dans les rucks là. Est-ce que ça va sortir? On va la laisser sortir. Hein. Voilà, laisser sortir. Mais malheureusement, c'est pas un ballon mort et c'est une superbe touche qui nous fait mal. Qui nous fait très très mal. Et là, on est sous pression. Hein. Allez. Le capte bien. Allez. Donc James Hook. Bon sur les touches jusqu'à présent. Ça fonctionne remarquablement. Allez. Et il frappe le James Hook, il a un bon coup de pied. Un superbe coup de pied. Le vent est un peu en notre faveur. C'est pour ça, ça nous aide aussi. Ils vont obtenir une touche. Le match est fermé, le match est stressant. Je sais pas là, ce que vous voyez, mais. Ouais, ça va être intéressant en tout cas. Ça va être tendu jusqu'à la fin, on va faire un arrêt de volée. Voilà, pas de risque. Hop, remise à la main. James Hook joue la pénalité à la main.
C'est qu'il a un bon coup de pied. Et donc on va rejouer l'occupation. On ne trouve pas la touche. Si, il a mis le pied en touche. Il a mis le pied en touche. Et là, on va essayer d'envoyer un milieu d'alignement là. Aïe aïe aïe, là regardez, on va l'envoyer, s'il faut c'est eux qui vont nous la voler, j'en sais rien. Eh ouais. Et un bon contre en touche. J'y arrive pas en touche, c'est pas mon jour, attention, tu as le twist. Faut courir, faut courir. Avec un bon sprint. C'est pas mal fait ce coup de pied le long de la touche. Ouh, il est haut le plaquage. Normalement c'est à la retombée, vous voyez, du ballon. Et là malheureusement c'est pas le cas, c'est pas la bonne règle. Allez vite, on tape. Vite. Hop. Faut la trouver. Oui. On a réussi à trouver la touche. Ah, j'ai dû faire vite avant la mi-temps. Alors ils sont à un de moins, j'ai pas pensé à regarder qui avait été qui a pris un jaune de leur côté. Pour savoir peut-être où appuyer. Allez James Hook. Allez. Avant la mi-temps. Ça passe. Ça passe et on ouvre le score. Oui. Et ça c'est pas mal, ça fait du bien. On avait raté, j'ai pas voulu tenter d'aller à l'essai parce que je le sens pas, on n'arrive pas à être efficace, on perd quasiment tous les ballons dans les rucks. Je suis tout à fait d'accord. Attendez, mais comme c'est la mi-temps, c'est un bug ça, il se retrouve direct à 15 à la mi-temps en fait. Ah, je connaissais pas ce bug, c'est un bug, vous voyez, on en apprend tous les jours. Ça va faire bientôt un an que ce jeu est sorti. Alors qu'il lâche le ballon maintenant. Les jeunes concernés, c'est pas ce bug, attention. C'est bien, il y a du soutien. Il n'a pas réussi à rafuter. En le poussant, touche. Oui. Oui, c'est bien. Quand même 3-0. Maintenant, peut-être essayer d'aller mettre un essai pour être à plus d'un essai transformé d'avance. Ce qui nous permettrait d'être un peu plus safe. Allez, Johnny May, on tente de partir en crochet. Et c'est là que c'est dur, et c'est là qu'on perd vraiment tous les ballons. Attention. 12 Trees qui se fait casser le plaquage par la croix. Sharples qui arrive, Atkinson, 12 Trees qui revient. Et on a blessé à Guillaume. Voilà, chacun son tour. D'abord des blessés. Et c'est Barak. Barak qui a joué à Biarritz, je crois. Pau, non, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Ok, il a joué dans le sud-ouest, mais je sais plus. Je crois que c'est Biarritz. Je veux pas dire trop de bêtises. Je veux dire Biarritz, mais je ne vous promets rien. Allez, boum, allez, et là on la gratte de suite. Oui, c'était dangereux. Ça aurait pu siffler limite dans l'autre sens et se retrouver avec une pénalité contre nous. Et ils auraient pu peut-être revenir à 3-3. Non, l'arbitre siffle que c'est eux qui ont gardé le ballon au sol. On assure la touche. On aurait pu essayer de chercher mieux, peut-être. Mais et donc ils vont obtenir une touche. On aurait pu chercher mieux. Allez, on envoie un fond d'alignement. Et si on tentait un maul pour les surprendre. Allez, regardez, on va essayer de faire un maul et d'avancer. On les surprend comme ça au rochelet. Et ça avance. Ça n'avance plus, il faut la sortir maintenant. Et à voir, attention. On trouve Atkinson qui retrouve Hook. Attention, ne pas perdre la balle, ça va. Et on va peut-être inverser là. Changement de sens, Johnny May. Ok. C'est nous là. Eh ouais, on a refusé de lâcher avec Johnny May. Le match est tendu parce que on n'arrive pas à s'extirper. Eux, ils restent à l'affût. C'est eux qui ont été les plus dangereux au niveau des essais, qui ne sont pas passés un mètre des essais. On n'est pas à l'abri d'une pénalité ou d'un drop. Attention, allez, ça serait bien de la voler ce ballon. Bête. Ben voilà. Et là peut-être. On va taper au pied, on prend pas de risque. J'étais tenté de relancer la main. Mais bon, le coup de pied, ça nous ramène. Voilà. À l'entrée de l'heure 22. C'est quand même plutôt une bonne chose. Allez les gars. Ouais. Voilà, pas la balle. Ils ont réalisé les touches plutôt propres. Dommage. Il va à la mine. Attention, il faut suivre duel de 8. Ouais, il est revenu. On pousse en touche au Barak. Toujours que 3-0, hein, mais ce drop a son importance à l'heure actuelle. Allez, ça devrait aller. On le met en milieu d'aliment sur Stock. Il est pas droit. Oh, c'était limite, je trouve. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont choisir, la mêlée ou la touche? Alors voyons comment on va se comporter cette mêlée. Bon. Allez les gars.
Allez, c'est une très bonne introduction là. On va peut-être voler ce ballon. Ah, ils nous remettent. On était pas loin de la voler avec un Antonio. Il faut se lever tôt. Il y va tout droit. Va pas falloir non plus se mettre. Oh là 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 là. Se mettre à la faute. Hein. Ne pas leur donner 3 points. Parce qu'il reste que 20 minutes. Attention, on essaie d'être bien placé défensivement. Voilà, stroke. Et. Regarde. Oh non, mais il y a personne. Oh là. On a fait une belle passe, mais il y avait personne, malheureusement. Ah, c'était marrant. Attendez, une longue sautée. Malheureusement, inefficace. Aïe, aïe. Et ce mot, allez, on essaie de. Voilà, il pousse sur le côté, donc c'est parfait. Attention, Antonio qui part. Pour moi, Emery Valou. C'est eux qui refusent de lâcher. Oui, c'est tendu. C'est très tendu parce qu'on est à la limite d'être pénalisé, je pense. Nous aussi, on va assurer la touche parce que le vent est plutôt contre. Ce sera une touche. Et donc, ils vont obtenir une touche. Ah, ça devrait aller, là on va enfin avoir un ballon en touche. Allez, Hook, on va la jouer. 12 trees. Atkinson, il y a peut-être quelque chose à faire, mais où est notre Johnny May? T'es placé aux fraises. Et c'est... Oh là 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 là, il a cassé le plaquage. Non, non. Oh, aïe 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 aïe, que ça fait mal ça. C'est catastrophique là. Oh là là là, c'est terrible. Là, il casse le plaquage de 12 Trees. Ah non, c'est celui-là qui est. C'est ce cassage de plaquage qui est terrible. Ah là là là. Et là, bah. Bon, s'il la transforme pas, ça nous mettrait pas trop. Mais il la transforme évidemment et ça nous oblige à aller mettre un essai. Alors, transformer, non, on s'en fout, mais un essai en 13 minutes. Ah, je le sentais, je vous l'avais dit, je sentais qu'il. Ils se sont. Mais nous, on a. Du mal à se montrer dangereux, je trouve. Allez, ça c'est un ballon important, peut-être récupéré. Et là, faut pas la perdre. Allez. Aïe, 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 aïe. Allez, on va tenter le petit côté, peut-être. Allez, Alain Fonoua, ton gars. Allez, 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 allez. Et là, maintenant, c'est nous qui sommes sanctionnés. Il faut juste qu'il soit un peu plus discipliné. Aïe, 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 aïe. Le vent a tourné là d'un coup. Mais vraiment, là c'est. La roue tourne à tourner, comme dirait Ribéry. Ouais, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. On a. Ah, c'est pas bien placé, on va pas leur voler le ballon. Mais... Et il tape. Hein. Il tape. Alors là, faut espérer un ballon mort peut-être. On va attendre. Voilà. C'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal pour nous. Qu'ils vont plutôt choisir la mêlée. Bien sûr qu'on choisit la mêlée, ça nous fait un ballon dans le camp des Rochelais, alors loin, à plus de 40 mètres de leur en but, mais c'est toujours ça. Allez, envoyez du jeu. Bon, de toute façon, la Rochelle, c'est une équipe énorme hein, cette année, moi je le dis, c'est l'année où j'arrive pour aller chercher, pourquoi pas, le doublé challenge européen. Allez, Johnny May, on a... Ah, j'ai tenté de repiquer intérieur, j'ai cru que j'avais la vitesse pour ça. C'est l'année où jamais pour aller chercher le doublé challenge européen, championnat de France top 14. Allez, Atkinson, ah, on était pas loin. Allez, on se fait gratter le ballon direct. Allez, alors, nous aussi on peut la gratter, oui. Mais il y a personne qui se propose et si je fais pas une passe un peu au hasard, on sait très. Mais il ne reste plus que. Attendez, oh, et oh, et oh, on a un ailier pour attraper. Oh là là, il est haut. Il est où le plaquage? Il est où le plaquage? Et on s'en doute la tenter pour avoir 10 points d'avance. Et est-ce qu'ils vont même attendre la fin? Non, le match va pas être fini. Il faudrait qu'il la rate quand même. Non, mais on peut aller chercher les prolongations. Allez, faut aller mettre un essai transgenre. Et nous, ça change rien. Bah, si, mais faut la récupérer. Faut la récupérer. Elle est très très importante là. Allez, allez, tu la récupères. Oui, on la récupère, mais. 12 Trees qui s'est arrivé lancé. Aïe 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 aïe, il faut monter. Ah, on est obligé d'y aller, on est obligé, on s'est mis hors jeu, on n'a pas le choix, c'est fini.
Ah, ça fait mal, on est allé au plaquage parce que sinon il tape un touche et c'est fini. Donc voilà. C'est fini les gars, on a perdu. Victoire de La Rochelle, ouais, tu peux faire coucou, t'as gagné. Victoire de La Rochelle, je parie sur ça moi aussi, c'est vrai. On verra, Champion d'Aigle, on a mené au score jusqu'à quoi? La 65e minute. Donc voilà, et puis le vent a changé de sens comme on dit. Et on perd ce match. Bon, ni logique pour le coup, ça a été serré je trouve le match. Voilà. Mais pas eu de grosse occasion d'essai. Voilà. Moi je parie sur une victoire de La Rochelle. N'hésitez pas à voir ce match. Même si je pense que c'est des 4 demi-finales, c'est le match. On vous retrouve lors du prochain match. Qui sera le moins serré à mon avis. Je vois vraiment une victoire facile de La Rochelle à voir. Que je me trompe, mais c'est s'il y a un des 4 matchs à ne pas regarder, c'est celui-là parce que les 3 autres vont être serrés et beaucoup plus tendus. Merci à vous d'avoir regardé et à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.